grosse bagarre. Nous y sommes, l'ouverture du deuxième tour chez les femmes, avec l'entrée dans un instant de Xy. Elle va affronter Lilo Poupoule. Attention, l'entrée dans un instant de Lilo Poupoule. Attention, le combat va pouvoir commencer. C'est parti, Xy face à Lilo Poupoule. D'un côté, la Poupoule la plus poupoulante de cette dernière décennie. Et de l'autre, Xy, bien sûr, qui sait manier l'espace et le temps. Et aussi la tête de Poupoule, hein, visiblement. Xy, en tout cas, qui se prépare à un plongeon. Aïe aïe aïe, qui va réussir à tirer son épingle du jeu dans ce deuxième tour pour se qualifier pour les quarts de finale. Là, les places sont importantes, sont même, comment dire, cruciales. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, ça c'est certain. Et pour l'instant, ça a l'air de bien commencer pour Xy, qui est en train de faire de Lilo Poupoule sa chose, hein, comme on le dit dans le jargon. Voilà, un petit peu comme quand je me suis fait... manipulé par mon patron quand je travaillais pour cette usine qui fabriquait des billes. Bref, Xy face à Lilo Poupoule. Et Xy qui essaie apparemment d'étrangler Lilo Poupoule. Mais Lilo Poupoule qui se relève et qui va claquer Xy. Ouh là là, assez puissamment. L'éclater comme il faut, lui éclater le nez. Lever les bras. Que peut-elle faire? Éclater Xy, oui, allez. On a eu un moment avec Xy, maintenant on va voir ce que Lilo Poupoule peut faire pour contrer. Alors là, j'ai pas compris. Là faudra m'expliquer. Elle a sauté sur Xy, mais Xy a semblé, bah voilà, elle a dû utiliser son pouvoir, hein, espace-temps, parce qu'elle s'est retrouvée décalée sur la droite alors qu'on voyait très bien qu'elle était sur la trajectoire de saut de Lilo Poupoule. Alors qu'est-ce que c'est que ce pataquès, hein. Et pendant ce temps, Xy, bah, qui du coup en profite, hein, et elle a bien raison, qui profite, qui recommence. Double saut
peut-être une troisième fois, histoire qu'on ait bien compris. Non. Oh, maintenant ça, ça coup de piète. Et puis ça a essayé une petite soumission. Est-ce que le Poupoul va se soumettre aussi facilement? Parce que ça a été violent dès le départ. Hein. Dès le départ, ça a été très violent. Donc c'est pas impossible qu'il y ait un abandon. Non, non, quand même. Le Poupoul qui survit, qui va attraper Xy, la balancer. Parce que bon, je peux comprendre que l'abandon soit un peu solutionnaire à un moment donné. Moi, à un moment donné, j'ai voulu courir un marathon et au bout de 2 km, je me suis bien rendu compte que j'étais en train de mourir. De type cardiaque, de type voilà, je tenais pas la distance. Voilà, et je me suis pas dit, est-ce que finalement l'abandon c'est pas un aveu de pas de faiblesse, mais un aveu de au contraire, parce qu'il faut être fort pour abandonner. Il faut être fort, il faut se dire non, bah ce n'est pas pour moi. Je m'en vais, la tête haute. Le défi était trop haut, c'est pour d'autres. Mais ça veut pas dire qu'on est nul à jamais, ça veut dire qu'on est plus fort ailleurs. Et bon. Moi, j'ai pas encore trouvé dans quoi j'étais fort ailleurs. Hein. Ça, c'est compliqué. Mais bon, ça veut pas forcément dire que je suis nul partout, que je suis fort nulle part. Je veux dire, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Ouais. Enfin bon, Xy qui essaie de reprendre confiance. Le Poupoul, elles ont chacune une phase. Là, on repart pour une phase avec Xy, qui aime bien cette technique de monter sur la deuxième corde, de se retourner et de sauter sur Poupoul. Alors là, elle fait quelque chose de substantiellement différent. Mais Poupoul qui parvient à contrer avec force et à sauter sur Xy. Il faut peut-être essayer de lui faire un maximum de dégâts. Parce que Xy a quand même pris un avantage considérable. On va pas se mentir. Là, Poupoul s'est quand même bien débrouillé. Peut-être faut-il essayer. Voilà. Quelque chose d'assez audacieux. Là, c'est audacieux. Ça, c'est audacieux. Ça, c'est formidable. C'est incroyable. C'est très beau. C'est très bien exécuté. C'est très joli. Bon, ça ne suffit pas à mettre Xy KO, mais c'était joli à voir. Et attention, oh ça c'est beau. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Lilo Poupoul qui se qualifie pour les quarts de finale avec ce coup spectaculaire. Incroyable. Poupoul. La Poupoul masquée.